on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je vous avais promis déjà depuis un petit moment et que je n'avais pas encore fait. Un test crash, on va dire, sur les nouveaux feutres métalliques d'action. Voilà, alors bon, moi je les ai déjà déballés, donc je les avais mis dans une trousse. Donc vous voyez, je les ai mis dans une trousse dorée, comme ça c'était métallique. Alors déjà j'ai des doublons, donc bon c'est rien, là j'ai deux doublons, le métallique silver, voilà, j'étais en deux, donc j'ai celui-là en doublon et le métallique black, voilà, je les ai eu en doublon bien sûr. Donc sinon, alors j'ai eu le métallique gold, le metallic mint, metallic pink, le metallic white, donc blanc, le metallic willow. Alors le willow c'est jaune, mais bon le bouchon est bien marron, donc je sais pas ce que ça donne, je les ai pas encore essayé hein, donc je les ai acheté ça fait un moment, j'ai pas encore essayé. Le metallic purple, le blue et le green, voilà. Donc je vais les essayer avec vous, donc sur un sur du noir et sur du blanc, on va voir ce que ça donne, puis on verra bien. Bon, je vais enlever les doublons, voilà. Alors on va commencer par le metallic silver, donc déjà sur du blanc. Je vais voir si ça fait bien métallique. Ouais, bon. Alors sur le noir. Ah, sur le noir c'est mieux. Déjà. Voyez. Sur le noir c'est mieux que sur le blanc. Alors ensuite le métallique black. Bon, j'essaie avec la pointe fine. Hein, c'est pas la peine d'essayer. Alors métallique black. Ouais, il brille, ça va. Et sur le noir, ça va. Voilà. Ensuite, le blue, donc le bleu. Oui. Sur le noir ça ressort super bien par contre hein. Sur le noir ça fait vraiment beau. Voilà. Le green, donc le vert. Alors, le vert sur le noir, c'est cata. Le vert sur le noir, ça ne donne rien du tout. Donc, 0 pour le noir sur le noir. Là, c'est le purple. Oui, joli le purple. Donc on le voit quand même un peu sur le noir. Bon, il ne donne pas la même couleur, mais on le voit. Là, c'est le yellow qui me paraît bien marron sur le bouchon. Sur la pointe aussi. Ouais, c'est un yellow orange. Hein. Alors sur le noir, ça ne donne rien. Voilà. Yeah. Comme papier noir, ça ne donne rien du tout. Donc le celui-là et celui-là sur le noir, c'est même pas la peine de s'en servir. Alors le blanc, bon bah sur le blanc, je pense pas qu'on voit hein, du coup. Bah non, hein, voilà. Et sur le noir, bah c'est un peu à moindre passé.
Ouais, il faut passer. Ouais, le blanc est un peu nul, hein. Non, le blanc est complètement nul. Il brille pas. En plus, il arrache le papier. Non, le blanc, bah, c'est la cata. Il fait rien du tout. Bon. Allez. Non, le blanc est pas bon. Alors celui-là, c'est le pink, qui me paraît plutôt rouge que rose. Ah, du coup, j'ai décalé, bon, c'est rien. Voilà ce que ça donne. Attendez, je vais refaire à côté parce que du coup. Quand on passe sur un autre, ça fait quoi? Ouais, bon. C'est pas. Non, bon. Bof. Le rose, c'est bof. Parce qu'il n'est pas rose. Là, le mint, donc menthe. Ah, celui-là est beau. Il est bien brillant. Il ressort bien sur le noir. Bon, sur le noir, il fait pas très vert. Fait plutôt gris. Et sur le blanc, bon, il brille bien. Voilà. Et le dernier, donc là, le gold, qui j'espère fait bien le gold, donc l'or. Oh là là, c'est un gold vert. Bon, c'est pas vraiment gold, hein. Je sais pas, mais voilà. Bon. On va pas chipoter, hein. C'est de l'action, mais ouais. Donc on va donner des notes, hein. On va donner des notes. Celui que j'aime bien, c'est le bleu, voilà, donc on va lui donner 5, les deux gris aussi, voilà. Alors le vert sur le noir, il est bien sur le papier blanc, mais alors sur le noir c'est 0, donc là il est bien. Le violet, on va lui donner du 3, parce que bon, il est bien sur le papier blanc, mais pas sur le... Alors, le blanc, lui, il est complètement nul. Alors, c'est 0, 0, 0 sur le blanc. Celui-là, c'était le jaune qui n'est pas jaune. Donc, je lui mets 0. Le rose qui n'est pas... on va lui mettre 3 au rose. Le vert et... le vert, bon, on va lui mettre 5. Et le gold qui est pas, je lui mets 3. Voilà. Bon. Ça casse pas des briques. Donc ces deux-là sont pas bons. Yellow, le green et le blanc, lui, alors il est complètement nul. Puisque il fait rien du tout, le blanc. Sur le noir, c'est même pas la peine. Vous voyez. Ça fait de la cata. Il brille pas, il arrache le papier. En plus, quand on passe son doigt sur le blanc, on le sent. Les autres, non. C'est 10. Et là, on sent qu'il y a, ça fait des pâtés sur le blanc. Les autres, non. Mais le blanc, donc, je sais pas ce que c'est, mais... Donc voilà, bon. En plus, je pense pas qu'on puisse s'en servir vraiment comme les autres feutres à alcool, à mélanger les couleurs.
Parce que bon, je vais essayer peut-être, mais faire un mélange de couleurs. Alors, on va prendre le bleu. Voilà. Essayer avec le mint peut-être, voir ce que ça donne. Non, ouais non, c'est, ça fait bizarre. Bon, pas, vous voyez. Ça fait des pâtés, ça fait, je sais pas, bof, bof, bof. Bon voilà, je vous avais promis de faire le crash test. Bon là, je sais qu'il y en a plus, hein, des comme ça, chez Action, et tant mieux, parce que j'aurais pas acheté les autres. Donc, si vous en avez encore dans vos magasins, bah, surtout n'achetez pas le blanc, parce qu'il est nul, nul, nul. Et c'est vrai, bon là vous ne voyez pas la vidéo, mais moi je le sens, c'est granuleux, alors que les autres on les sent pas quand on passe le doigt. Et vous voyez, regardez la différence. Je sais pas, bon, c'est peut-être fou là la vidéo. Donc bon. Bon, le doré est un peu doré, ouais. Bon, voilà. C'est pas, ça casse pas des briques, voilà. De toute façon, au prix où c'est, donc je crois qu'il était aussi à 99 centimes, hein, pour les trois, donc bon, mais ça casse pas des briques, voilà. Bon, bah, c'était mon petit crash test, je vous l'avais promis, je l'ai fait, donc voilà. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo avec d'autres choses plus rigolotes et qui fonctionnent mieux. J'avais acheté aussi ça, mais j'ai pas essayé. C'est encore emballé. Vous voyez, c'est pas trop là. Donc ça, c'est pour écrire sur. Alors, c'est des marqueurs de verre à base d'eau. Donc c'est pour écrire sur des surfaces lisses, sur le verre, la porcelaine, le métal. Convient très bien au lettrage et à la décoration. Laissez sécher après l'application pendant 10 minutes. Encre à base d'eau, lavable. Alors, c'est une encre à base d'eau, mais c'est lavable. Alors, je sais pas. Ça me semble bizarre parce que si c'est à base d'eau et que c'est lavable, ça me semble bizarre, mais bon. Ah, par contre, ça ne résiste pas au lave-vaisselle. Ok. À conserver horizontalement. Bon. Mais ça, je ne les ai pas encore essayés. J'essaierai. Je les ai achetés ou on me les a offerts, ça? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon. si on me les a offerts, désolé de ne plus m'en rappeler. Mais bon, je ferai un essai. Si vous les avez achetés, si vous les avez, dites-moi aussi ce que vous en pensez, parce que moi, j'ai pas encore essayé. Donc là, j'ai la couleur métallique rose, métallique purple, solid white et solid pink. Donc j'essaierai sur un vieux verre et je vous dirai ce que j'en pense aussi. Voilà, allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. À bientôt, bisous bisous.